Donc, je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue? Il supporte pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme? Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Oh. Pourquoi? Je leur ai pas demandé. Y a pas un guide du Wendigo? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Vraiment les tuer. Peut-être qu'on peut les soigner. Leur humanité est partie dès qu'ils se sont mangés entre eux. Il n'y a pas de remède et il n'y a pas de rédemption. Enfin, s'ils sont encore humains, on ne peut pas leur faire du mal. Quand on a un juste devant toi, c'est lui ou toi. Toi, tu peux toujours l'épargner. Mais lui te laissera aucune chance. Non. Bordel! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti! C'est trop tard! Chut! Silence! Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin.
Oh merde. Oh, sérieux. Ah, laisse tomber. Est-ce que ça marche là ou pas? Ok. Ah, du coup, en fait, je suis en train de parler comme un faisan depuis tout à l'heure pour rien, quoi, en fait. D'accord. Bon. Bon, ben, recruque, c'est recruciole, hein. Mauvais à ça. Ouf. Cours! Cours, dépêche-toi! Quoi ça? Recule! Recule! La vache! On a découvert. Il faut se tirer d'ici! Ah oh putain, oh putain, oh putain! Mais cours, espèce de con! Ouais, prends ça, wesh. Ah bah c'est bien le moment de boiter là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, je crois que j'aurais pas dû. Ah non, ça va. Genre la porte vitrée, ça va l'empêcher de rentrer, le Wendigo. Le truc qui décapite d'un coup de griffe, c'est pas une porte vitrée qui va il va faire la différence. Bon bah du coup enchanté. Voilà. C'est pas terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flammes? Ouais, il... Tu veux dire qu'il est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh, putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches? Il y a qu'à en faire une. Autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh? Ah, peut-être, oh, oui. C'est ça le tour. C'est bien possible. Génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors on est dans la merde.
Je sais pas. C'est Wendy Bobo. Elle l'a probablement emmenée dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte? Ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Oh bordel. Attends, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Faudra lui demander la prochaine fois. Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. Oh la vache. Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé cette chaise. Avec du sang séché partout. Comme si on avait torturé quelqu'un. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M? M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? H. M. Mais c'est rien, c'est... Ah, non, ça m'a mordu et... Juste mordu. Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? Mais c'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde. Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Oh, mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, putain, c'est bah, pas du vrai. Coup, faut pas qu'elle mange de viande humaine. Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi? Mike! Tu dois partir. Tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes là. Emily, la sentence est irrévocable. Restez ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh. Non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs, alors que tu sais très bien qu'il y a Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait. Oh putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Non mais c'est quoi ces trous du cul là? Wow. Ok. Wow, 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 Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus? Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M! Pitié! Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là! Non. Avec nous! Non! Arrête, fais pas ça! Je suis désolé. Et paf, la connasse! Merde, j'y arrive pas! Oh putain, tu as fait le bon choix. Et Coco Nounours? Peut-être. Pour l'instant. Merde. Quoi que monsieur Yougoslave. Garde un œil sur elle. Attends. Si tu vois quoi que ce soit de louche, j'appelle la Yougoslavie. Vous savez quoi faire? Ouais. Ah, ça saute dans le vide. Bon. Compris. Il y aura personne. C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Tu es maillot femme connasse. C'est bien parce que quand elle est sur ses... Quand elle est... Comme elle est là, assise la tête entre les genoux, elle prend pas beaucoup de place. C'est bien, tu peux la foutre dans un sac tranquille. Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes? Maintenant on est foutu. Non mais ça veut dire qu'on doit rester fort. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arriverai. Oh là, il y a le revolver juste à côté. Indice trouvé, journal cannibalisme. Putain, il dessine bien, le con.
mec est un peu dérangé. Mais merde, j'ai même pas eu le temps de lire, espèce de conne. Ah. Pas chier là. Fais gaffe, sinon je te fais crever. Hein. Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigo. Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle. Tenez compte de ces mots ou vous mourrez. Et votre mort ne sera pas la dernière. Les Wendigo doivent rester enfermés. Le Wendigo naît à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, pigé sur la montagne dans les tempêtes hivernales. Lorsqu'il n'a rien mangé depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords, souvent d'autres compagnons qui voyageaient avec lui. Il dévorera la chair crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années, une soif de chair inextinguible. Puis le changement commence, les yeux deviennent blancs et laiteux. Puis les dents poussent comme des crocs. La créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. Ah, t'as à dire un truc? Non, t'as pas envie de parler? Bon, ça va. Ce journal est un compte rendu sur les Wendigo. Cette créature est réelle et dangereuse. Si vous lisez ceci, vous aurez certainement des questions. Mais je n'ai pas toutes les réponses. Ce ne sont que les preuves et les histoires que j'ai vécues. Ok. Ah, là je peux pas aller dans ce sens du coup. Hop. Je vais attendre un peu voir s'il n'y a pas un dialogue. Il y a un sacré passif dans tout ça. Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes, les Cree. Leur chaman raconte l'histoire d'une immense créature née dans la glace. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient. La montagne devint peu à peu sacrée pour les Cree. Et les animaux également. Les Cree croyaient que blesser animal dans la montagne portait malheur, c'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1893, les mineurs arrivèrent. Ils trouvèrent du fer et au plus tard des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les Cree disent que la montagne hurla et que l'esprit fut libéré. C'est tout. Ah non. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ça dit que comme les Wendigo ont muté à partir trop près. Lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. Ah ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Les yeux du Wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Le Wendigo voit les mouvements. C'est un chasseur comme un aigle, mais il ne perçoit pas l'immobilité. Si vous restez parfaitement immobile, alors le Wendigo ne vous verra pas. Ça va qu'il a pas dû faire le truc, hein, parce que... La peau et la chair des Wendigo sont dures comme une armure. Ils semblent ne pas ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés. Leurs balles ne traverseront pas leur peau, bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser. Comme le Wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. Il peut parfaitement imiter sa proie. Vous devez rester vigilant et méthodique. J'ai tué 6 Wendigo. Les couteaux et les balles sont inefficaces contre eux. Utilisez un lance-flamme, c'est la meilleure arme. Le feu les enveloppe, brûle leur peau et les affaiblit. Mais n'essayez pas de les tuer. Il ne faut les tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs. Je les ai contenus. J'ai utilisé des pièges pour les attraper et le feu pour les enfermer. Les pièges étaient recouverts de membres humains, provenant de ceux qui n'en avaient plus besoin. Un par un, j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne. Ah, elle a rien à dire. Ok. Il existe quelques défenses. Les chamans parlent de rituels. J'ai trouvé des artefacts des locaux sur la montagne et les ai répliqués. Des totems, des mélanges d'herbes et de plumes. J'ai copié leurs artefacts, je les ai testés. Dehors sur la montagne, ça fonctionne. Ils éloignent les Wendigo, pas entièrement mais suffisamment. Mais à l'intérieur, ils ne marchent pas. Les légendes Cree affirment que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant. Mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformé. Le seul moyen est de manger de la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, on dirait qu'on a fini de lire. Oh non, 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 non. Et coucou Delta. Ça dit que... Les morsures,
ils nous mordent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là ? M. Ça dit que t'iras bien. Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir. M'en sortir ? Mike a failli me tirer dessus, putain ! Il a pas tiré. Et cette conne, elle a laissé faire. Hey, c'est pas vrai. Elle avait peur. C'est moi qui devrais avoir. Je suis désolée, Emily. Je savais pas ce qui allait se passer. Personne savait. Y a pas d'excuse. Y a pas d'excuse. Je t'en prie, Emily. Je t'en prie, essaie de comprendre. Mais quelle connasse. Prendre ma main dans ta gueule, ouais. Tu vas comprendre ma main dans ta gueule, ouais. Ça là, tu l'as pas volé. Un aller-retour, celle-là. Mais prends le flingue. Marque sur action, ça sert à rien. Mais ça fait... Bon. En pleine tête, je pense que ça va quand même leur les faire chier, quand même. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Et là, depuis le début, il était dans sa tête, à Josh. Je sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Déjà, si on voit ça, c'est qu'il n'est pas mort. Sinon, comme l'année dernière. Ça n'arriverait pas, ça. Quand vous avez laissé mourir vos sœurs, vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Je suis passé chez Josh. Pourquoi leur faire du mal ? Joshua, pourquoi leur faire du mal ? Parce que c'était rigolo. Alors, on va choisir ça. Ils ne vous ont pas fait. Oh bah, on va pas être dans le délit non plus. Ils ont fait une erreur stupide. Et vos sœurs ont connu un sort tragique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est arrivé. C'est tout. Et ils avaient des remords. Du moins, jusqu'à votre nuit de pure torture. Ce n'était qu'un jeu, je suis désolé. J'ai pas ça, j'aurais quelque chose, j'espère choisir ça. Qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver de cet abysse obscur. Voilà, je pense qu'on va être près de la fin. Oh putain, les gars, enfin ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Ah ouais, il... Stop. Ne bouge plus. Putain de merde. C'est quoi ça? T'as l'autre limite, on aurait dit qu'il se jetait dans les flammes, quoi. Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça? Elle l'a probablement emmené dans la mine. J'étais là-bas. C'était horrible. Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. M, c'est quoi ? Hein ? Ici, c'est notre abri, M ! Putain ! Merde, j'y arrive pas. Oh, putain. Tu as fait le bon choix. Garde un œil sur elle. Je vais vite revenir. Bon.
pom pom pom. Deux heures jusqu'à l'aube. Ouais, on n'est pas loin de la fin. Je pense qu'il doit y avoir encore un autre chapitre et après je crois qu'on a fini. Attends, comment on ferme ça déjà? Attends, je crois qu'il faut que j'attrape le loquet et puis que je le mette je le fasse défiler. Je crois que c'est comme ça que ça marchait. Elle est loquée pour les nuls. On a 30 minutes. Ouais, ça se trouve, en moins de 2 heures, on aura fini. J'aime bien, ils te mettent des décors vastes et au final il n'y a rien quoi. Il n'y a que dalle. C'est pour le plaisir de longer les murs et voilà. Ça mérite de refaire la toiture quand même parce que ça fuit là. C'est pas très sain tout ça. Putain, comment il est. Il défilait là? Comment il sortait des marches? On aurait dit limite une scène d'une pub de parfum quoi. Moi je pense du sauvage. Parce que ça c'est pour les hommes virils. Bon, Johnny Depp il est pas là mais on s'en fout. Il manque Johnny Depp mais tant pis. Enfin sans lui. Sauvage. Ah, ça marche plus. Faut peut-être changer les piles. Il y a plus rien, il y a plus d'image. Faut peut-être changer les piles, j'en sais rien. Mais... Ou peut-être réorienter l'antenne, je sais pas, mais. Mais ça, on l'avait vu, ça. On l'avait vu, ça. Non, c'est par là. Putain de merde. Où sont passés les loups? Ah oui, putain, les loups. Maintenant qu'il n'y a plus leur maître. Va falloir les sauver aussi, parce que là... ils vont se faire trucider eux aussi, là, sinon. Ouais, il y a eu du remue-ménage là. Ça, je crois que la dernière fois c'était ouvert ça. Et ça, par contre, c'était fermé. Je remarque qu'on dirait que ça fait un moment que c'est effondré. Je me souviens pas qu'il y avait des escaliers comme ça. Non, il me semblait que c'était fermé ça. Oh, je sais plus. Je confonds peut-être avec une autre salle. Qu'est-ce qu'il va aller chercher là? Oh, oui. Ça peut aider, mais... Plus qu'une fourche et une foule en colère. Youhou, oui. Ah,
Allez, le petit fusil à canoncier là, hop. Bah, tu peux encore en prendre. T'as d'autres poches. Ça ira. Ouais, c'est ça, ça sera clairement pas assez. Surtout, ça doit être un. Ça doit tirer deux chevrotines en même temps, ça, donc. Là, tu gaspilles encore plus de balles. Je sais que t'en as, t'as des doubles canons comme ça là, mais pas canoncier, mais tu as un chien sur chaque canon comme ça, ça évite d'utiliser les deux en même temps. Je me rappelle, je crois que c'était dans Stalker que j'avais vu ça. Je crois que c'était dans Stalker. Shadow of Tchernobyl. Mais pense à recharger là parce que. Ah, ok. Bon. Il a envie de crever lui. Alors. Content de me revoir, hein. Bah, gros blanc. J'espérais bien te retrouver. Mais il manque l'autre. Brave bête. Allez, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Alors, je sais pas après ce qu'on ferait demain, parce que si on, on a vu, on finit ce soir. Je sais pas. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue vers la bonne. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Et sérieux? Moi, je pensais le ouais, choc, mais... Je pensais sûrement le choc, mais... J'aurais pas pu dire mieux. Par contre, moi, je ferais bien pareil. Tant qu'il lui demande pas de lui répondre, ça va. Ah, ça va être le choc, je pense. Filer comme toi. Y a rien. Ah, y a un truc intéressant. Merde. Ok. Comment on attrape un levier? Attends, je crois qu'il faut mettre sa main dessus et après il faut tirer. Ah ouais, ça marche. Génial. Bah force un peu. Avec un peu de chance, ça va se redébloquer. Voilà. T'as vu? Moi aussi, je me débrouille. Pas vraiment grand.
Putain, j'espère qu'un de ces jours on aura un nouveau Silent Hill quand même. Ça manque un peu ces jeux psychologiques horreur. Bon, il y a Tormented Souls qui est sorti il y a pas longtemps, mais bon. Médecin déclarant, docteur WB Carp 4, je sais même plus son prénom, on s'en fout. Rapport initial, les patients ont été admis en premier lieu à l'établissement médical de Blackwood il y a 5 jours. Pendant ce temps, nous avons organisé un certain nombre de tests à la fois physiologiques et psychologiques. Les résultats ont été extraordinaires au-delà des attentes médicales courantes. Symptômes observés, pâleur, dépigmentation de la peau, grave carence en vitamine D. Dysfonctionnement social, période de réadaptation aux événements post-traumatiques plus longue que la moyenne. Comportement interpersonnel imprévisible, violence envers les aides-soignants. 3 tentatives d'agression, 1 tentative de griffure. Symptômes prévus mais non observés. Malnutrition, scorbut. Indice de. De quoi ? Quetelet moyenne. Compris dans seulement 3% environ des valeurs normales attendues. Il devrait être mort. D'accord ? Je lui en réponse des patients aux stimuli dans des limites acceptables. Ok. Autofragilité, faiblesse. Distension du tibia, péroné et de l'humérus. Inhabituelle croissance de la fosse observée. Un patient a levé des poids de 330 kg. Oh putain. Ah ouais, non mais ils sont dopés. Ils sont dopés là. Ils sont dopés à la protéine. Ils sont dopés aux protéines parce que là. putain. Mesure proposée. Placée sur stricte surveillance. Détention fortement recommandée. Passée de 1 à 3 aides-soignants. Surveillance 24h sur 24. Bon, enfin là, quand t'as un patient qui soulève des poids de 330 kg, là faut pas chercher à comprendre, tu lui éclates la tête hein, parce que. tu te doutes bien que le truc, au bout d'un moment, il va te faire chier. il va te causer des emmerdes. Ah, mais d'accord, mais c'est ce qu'il y avait, d'accord, c'est ce qu'il y avait marqué derrière. Okay. 300 kg. Du coup, ils ont de plus en plus défoncé la porte assez facilement, quoi. Donc, ah, bon, ben l'autre loup, ben voilà, et il est capote. Oh la saloperie. Bon, mais il reste plus que celui-là. Il reste plus que Gros Blanc. Je crois pas. Dans quel bordel je me suis fourré. Oh bah d'abord on va aller là. Ah, ces portes sont construites comme des tanks. Ils étaient cinglés à quel point. Oh bah putain, elle a pris cher la porte quand même. Elle a pris cher. Remarque, ils ont dû attendre que les aides-soignants entrent dans la pièce pour s'échapper, je pense. Parce que même avec leur force élevée, leur force limite surhumaine, ils n'auraient pas pu défoncer la porte. C'est passé ici. Laissez-nous sortir. Nous mourons de faim et de froid. Vous me le paierez. Arrêtez immédiatement vos tests sur nous. Ok. Ok. Putain la vache. C'est vraiment dégueulasse. Tu sais, c'est là qu'il met son doigt dedans. Il met son doigt dans les. Là où il y a le sang et tout, il met son doigt dans la bouche. ouais, c'est vraiment dégueulasse. L'accro à la viande crue ou saignante. ouais, c'est vraiment dégueulasse. oui, c'est vraiment dégueulasse. Ah, une araignée. Ouais, les grosses salles, hein. Grand cru, 30 ans d'âge. ouais, effectivement. Bon, je dirais plutôt... ouais, pas autant, parce que bon, le loup... remarque, les loups, ça vit longtemps, quand même.
Je sais pas si c'est par là. Moi je visite. Hein. Clic. Ah ouais, d'accord. Il a quand même pu se libérer, quoi. Oh mon dieu, l'exorciste. L'exorciste. Je t'aurai pas, Zouzou. Je t'aurai. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Bah, tu vois pas que c'est un spin-off de l'exorciste? T'as pas compris? Pas Zouzou encore frappé. Je commence à me dire que c'est par là. Donc on va faire demi-tour. Moi, je veux pas trop avancer. Moi, je veux collecter tout ce qu'il y a à collecter. L'LB. Ah non, c'est pas par là. Bon, bon ben ça va. En mode Thug Life, là il manque plus que les lunettes de soleil. Vas-y là, wesh. Moi je crains personne. Avec ma torche et mon fusil là. Je me cherche pas des crosses là parce que. Oh là là, confidentiel. Examen médical, patient numéro 9. Progression de l'hyperostose squelettique. Putain, il compte quadruple celui-là. Dépigmentation épidermique attendue après le temps passé sous terre. Déviation sévère de la région thoracique, syphose post-traumatique. Putain. Dystrophie cornéenne et obscurcissement. Acuité. 20 sur 160. Et oui, et en français ça donne quoi? Oula, là encore ça va. Là encore ça va. Il est pas trop moche. Là ça commence à devenir ça commence à devenir une goule. Jour 9. Syphose chronique. Alopécie cicatricielle. Perforation extrême de la cloison nasale. Dysplasie ectoderme. Oh putain, mais. Parle en français du con là, bah, c'est un. Je comprends rien ton jargon là. Ok, il est pas beau là. Là, c'est pas possible. Oh, pas beau. Putain, c'est incroyable. Il est pas beau le monsieur. Là là, jour 12, putain, en à peine 2 semaines, le truc il se transforme. Il a le temps de se transformer quoi. Effluvium télogène, pine apolepse. Oh putain, non mais. Ah, c'est bon, après moi je me présente des chiffres et des lettres. Hein. Putain, mais je vais te sortir de ces mots là. Longueur des canines, 3,8 cm, cohérent avec l'œdème cornéen, mais acuité maintenant 20 sur 22. 20-22. Durcissement épidermique, couche cornée plus 1,3 cm. Ah non, du coup, il y avait un œil qui déconnait alors. C'est quoi 20-160. Oh putain. Ah, j'ai pas compris. Voilà, ça va encore. Là, ça commence à devenir une sale gueule. Putain de sale gueule. Là, c'est Pokémon. Pas trop moche, très moche, super méga moche. Ah putain. Euh.
devrais peut-être pas passer par là. On va rejoindre le loup là parce que... Ça doit être Josh, enfin, je sais pas si c'est Josh mais... On va peut-être rejoindre le loup. Je sais pas où il est. On peut laisser tout seul pour moi. D'accord, c'est scripté, ok, bon bah c'est... Putain, et si j'avais su, je serais resté là-bas. Quel con. Oula. Oh, le chargement des textures, là. Putain, on est tombé dans une faille spatio-temporelle. On est passé dans un trou de verre, c'est ça. On a pu brièvement voir ce que ça a pu donner la construction de l'asile. Avant la création des murs et tout. C'était un trou de verre. Moi je pensais que c'était... Ouais, j'avais l'impression que c'était Josh. Je pense pas que ce soit lui. C'est, il dit qu'il était peut-être dans la mine. Il peut pas être là. Oh merde. Ouais non, c'est pas lui. C'est qui ce type? À moins qu'il ait eu le temps de se transformer en squelette depuis, mais... Je pense pas. Bonjour. Désolé, mon gars. À qui de dos? Mais non, mais prends le... Bon, putain. D'accord, faut que je maintienne. Ok. Ah, c'est genre, le papier était plein d'humidité. Je fais, ah, c'est dégueulasse. Je le prends pas. À qui de droit? Ils sont en train de mourir dehors. Je les entends crier et pleurer. Cet enfer est mon seul héritage. La punition de Dieu pour mes erreurs. Impossible d'échapper à mon destin, la mort m'attend maintenant. Jefferson Bragg. Mm-hmm. Très bien. C'est là qu'il se lève. S'il se lève, je lui fourre la torche, je la mets bien profond. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a à voir? Ouais, bon bah écoute. C'était bien la peine. Ah, ça aurait été... Alors, on serait passé à côté de cette info super importante là. Je sais pas si on s'en serait sorti. Ouais, c'était une info plus que vitale. Bon, quels sont les araignées? Ah, j'en entends une. Ah. Bah, ça m'étonnerait que ce soit un Wendigo là. Ça, c'en est un. Bah, celui-là, il habille au moins. Il est pas tout nu. Droit devant, elle est à gauche. Ou oh, droit devant. Je sais pas où c'est, ça va. Ferme pas, il y a le loup. D'accord. D'accord. Bon, ça c'est fait. Ah, bravo. Ah, c'était... Putain, elle était même pas morte en plus. Ah, c'était beau, là. Je crois qu'il est mort là cette fois. Putain.
Ah, je voulais attendre le loup pour pouvoir fermer la porte, mais bon, allez, vite, on dépêche, on doit trouver Mike. Allez. Hey, oh, mais là, Mike. Moi, je commence à boiter un peu là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Oui, c'est pas vraiment, c'est une bonne idée. Non, Chris, on t'abandonne pas. On reste tous ensemble. Mike attendra un peu. Ouais, bah la mise à jour du statut, à mon avis, le pauvre, là, je crois que. Il est capoute, là. C'est qu'on peut voir. Non, on s'en fout, ça. Bon, non, on verra bien. Totem. Oula. Si on avait beaucoup d'autres choix, hein. Ok. Ah la vache. Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Alors, qui s'y colle? Après toi. Pas si mal. Tu crois que le tunnel mène au sanatorium? Ben, j'espère bien. Où tu veux qu'il aille? Chris, je sais que t'as mal, mais on doit bouger, ok? J'essaie, Ash. Il vaudrait mieux qu'on ferme, non? Hein? Bah oui, si quelque chose nous suivait. Oui, bon, ferme-la, mais là, on doit avancer. On se retrouve plus tard, d'accord? Ouais. Je pense que ça va le retenir, le Wendigo, ça. Ah bah bravo. Ça va, on a qu'une direction. Mais putain, bravo. Ça sent le piège à con là, je sais pas pourquoi. Enquêter sur la voie, rejoindre le groupe.
Oui. Pas qu'on oublie qu'on avait vu qu'il pouvait imiter les voix humaines. Donc ça peut très bien être un piège. Ah merde. Sans rejoindre le groupe, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Ah bon sang, je suis si heureuse. Oh, putain. Ça va aller. Regarde. Juste là. Waouh, super. L'échelle est foutue, on n'arrivera jamais là-haut. Non, 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 je crois que je peux. J'ai mes chances. C'est comme un mur d'escalade. Je oui, sauf que là, c'est mouillé. Vous devriez rentrer au chalet, je vais chercher Mike. Bonne chance. Ouais, bah là, Mike. Je crois que. Il est un peu mouru là. C'est presque le lever du soleil. Sauter, grimper, ouais, grimper. Contourner, sauter. Sauter, contourner. On va peut-être pas chercher la merde non plus. On va jouer sécurité quand même parce que. Si c'est pour qu'elle se tue. Une branlée. Je t'ai mis une branlée. Vas-y, penche-toi en avant, ouais, c'est. C'est très intelligent. On dirait qu'il n'y a rien. C'est. Descendre. Ok. Là on peut monter. Ah. Ok, d'accord. Mmh. Descendre ou monter. Enfin, on monte l'escalier. Je sais pas, ça mène où ça. On peut remonter là, oui, tranquille. Elle va se faire tuer, je sens. Ça sent pas bon. Ah, mais d'accord, c'était pour accéder là. Ah, d'accord.
Ah, c'est bien, au moins elle garde la pelle. Ok. C'est par où? Ouais, j'avoue que là, je sais pas. Oh putain. Oula, il est bizarre le pont. Allez hop, avec la pelle. Non? Ah non. Oh merde! Bonjour. Merde! On ouvre les portes des enfers. Ah non, il va mourir encore. Le vite, le vite, allez, allez, on bouge. Putain, tous ces barils, ouh, ça a pété là. Pas de la guimauve. Oh, attends, on peut trouver mieux comme punchline. Wow. Mais tu te sens bien? Tu veux dire quoi par bien? Il barricade avec le fusil, ce con. On trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. C'était bien la peine de le prendre, au final c'est pour bloquer avec quoi. Oui je sais, j'ai pas réussi à le sauver lui. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti, c'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop, ne bouge plus. Putain de merde! C'est quoi ça? Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Plus vite! Plus vite! Allez, allez! On bouge! Cours! Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Deux petites secondes, je vais faire un petit bisou.
là. Et recrux. Allez, on reprend. On va essayer de finir comme ce soir parce que je dis bon, ça va pas prendre longtemps, mais elle retourne. Hein. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si... compliquée. Ah bon? Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Mais vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Ça veut tout dire. Schizophrène, lui. Laissez-moi! Laissez-moi tranquille! Non! Vous êtes morte! Désolé. Vous êtes morte! Non! Ferme-la! Non! Vous êtes morte! C'est pas vrai! Tu nous as manipulés. Ils vont me lâcher! Ils vont me dorer quand c'est ma vache! C'est notre chance! Des ordres de personne. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Vous pouvez plus me donner d'ordre maintenant. Josh, ok. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. Avec son frère Jack, c'est cru en maternelle. Ouais, j'avoue. Ah, ça aurait été marrant qu'il nous fasse une référence à The Shining avec les jumelles. Josh. Fais-moi un bisou. On était toutes seules ici. Non, pas encore. Toute seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Je voulais pas que vous mouriez. C'est sûr. Putain. Alice au retour au pays de la folie. Josh. Oh putain. C'est vraiment ça que tu veux? Oh putain. Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi tranquille. Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Josh!
bébé. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce truc soit aussi dégueu de près. Ouais. Il se barre en couille le mini-cub. J'ai remarqué un truc un peu bizarre. Quoi? Masque debout. Il avait une cicatrice. Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit avoir 80 ans. Au moins. Ouais, un octogénaire. Le papy. Ils ont fait le ménage. Tué pas mal de gens. Il? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Ah oui. Mais combien? Beaucoup trop. Je pense qu'on n'est pas loin de son antre. Comment tu le sais? Ça pue. Je me sens vraiment mal tout à coup. Pareil. C'est donc ça que ça veut dire se dévisager. C'était Michel Drucker, ouais, c'est vrai que. Il tient à la forme. Chemin. Oh, c'est quoi ça? Oh, totem! Oh, le totem! Le totem de babouliné! L'autre connaît pas les totems! Je passerai pas par, dans, par l'eau. Hein. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Ah, baisse. Ah, c'est sa tombe. Donc, ce qu'on avait vu l'autre jour, c'était juste sa croix, en fait. Ça, c'est la tombe, du coup. C'était vraiment sa tombe. Mais... qui l'a déterré? Ouais, il y a quelqu'un qui l'a déterré récemment. Allez, continuons. Oh, c'est chelou là. Putain, dans l'eau là, putain. C'est le meilleur moyen de faire du bruit et de se faire choper ça. C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ah, tes dernières paroles. Ça va peut-être pas durer. Oh, oh putain de merde. Je sens plus mes doigts. Oh. Attends, bah, je croyais que t'avais atteint le point le plus profond. J'ai pas dit ça, j'ai dit. C'était bon. Genre, y'a pas de requin ou. Quoi que ce soit ici. Les requins. Génial. Merci. Des requins. Ça continue. Ouais. Ok. 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 Ouais. Ça remonte à nouveau. On va s'en sortir. Ah oh, putain. Non, dis rien. Oh. Viens. Viens. On a réussi. Danger. Il y a une porte avec marqué danger. Je sais pas s'il faut l'ouvrir. Ah mais c'est pour retourner dans l'eau ça. Ah d'accord. J'avais pas compris. C'est là qu'ils se font choper tous les deux. T'es de compte à pied, tu penses qu'un requin. Tardin, tardin. S'il y a pas la musique, ça va, il y en a pas. Il y a que si vraiment il y a la musique. Oh, des têtes qui roulent. C'est pas vrai. Putain.
Oh, Goulou. Le maître. T'as pas tourné la tête. Oh. Oh, c'est pas vrai. Non. Oh, je vais être malade. Attends. Je crois que j'ai vu quelque chose. Coucou. Ah non. Josh. Oui. Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Ok. Eh B. Il en tient deux couches, le pauvre là. Josh! Hé, vieux! Non, me frappe pas! Me frappe pas, pitié! T'étais parti loin, mec! T'étais complètement dingue! On ne pensait pas te ramener. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Ah, c'est bon, tu peux rester là, rester dans tes délires. Tu vois ça là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe, allez. Y'a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer. Je préfère retourner sur mon jeu. Oui, bon, ben. Ouais, d'accord. Arrose bien les aubergines. Et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. Ah, je suis sûr que là, il va avoir envie de te suivre. Putain, cette dégaine. En plus, avec la salopette là de Bégu. Moi je vais m'occuper des vaches. T'étais pas obligé de frapper si fort. Ah ouais, je suis désolé pour ça mec, je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Et prochaine je vais participer à la moule dans le prix là. Et Cali de le machin là. Ouais. Là t'es là trouvé un filet, c'est vrai. Ah ouais. C'est la version c'est la version Cap d'Agde, c'est ça. Collection plein air. La salopette où vous voyez. Ah ouais quand même. Il faut lui dire ton voisin, ça existe les ourlets. Faut recoudre là. Faut recoudre monsieur. Avec un bout de tissu, j'en sais rien mais. Moi, tout ce que je voulais, c'est participer à l'émission. Là. Je trouver une femme et on s'occuperait des vaches ensemble. Parce... Je sais. Printemps hiver 1895. C'est édition limitée, Tom Sawyer. Version 180 kg. Ah, quand même! Salopette, une coupée de capotable. Avec les spoilers à l'arrière, là, et pour plus de. Pour plus de vitesse. Putain!
Ah, il y a la musique. C'est peut-être un requin. Bon, 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 bon. Non, tu n'es bonjour. Pas réel. Non, tu n'existes pas. Ah, bon. Bon, il est mort. Ça veut dire que j'ai loupé des indices. Des trucs que j'ai loupés. Merde. Parce que normalement, il peut survivre. Je vois pas où c'est que j'ai foiré quand même. Peut-être des collectibles que j'ai oublié de prendre. Ah, c'est vrai qu'il m'en manque quelques-uns. Ouais. Merde, c'est con. Bon, de toute façon, il y avait déjà un mort, donc... on n'est pas mort... On n'est plus à mort près, maintenant. On peut pas aller par là. Oh, ok. Et paf, ça faisait choc à pic. Ça fait choc à pic. Ah, j'imagine. Ah, j'imagine. Tu fous ça vraiment à la pub, quoi. C'est pour les gosses. Pico, raconte-moi comment on fait choc à pic. Un jour, un mec en salopette s'est fait écraser la tête et paf, ça fait choc à pic. Je suis sûr que les gosses seront ravis de voir ça. Comme elle marche, on dirait une zombie quoi. Et cette cou. Oui, vas-y, cours. Je suis sûr que ça va marcher. Allez, encore un truc qu'on va pas falloir bouger, putain, j'adore ça en plus. Ça a été rapide. Oh, ça pue. Bordel. Essaie de courir, traverser. Tu peux toujours essayer de courir. Il a trop envie d'abandonner le Wendigo là. C'est trop abusé. J'ai level Delta. Nestlé en sueur après 10 millions de plaintes. Sauter, grimper. Bon, grimper. Bon, enfin là, elle saute quand même. Hein. Je vois pas ce que ça change. Contourner, sauter, ouais, contourner. Putain. Ah, Lara Croft, elle peut se rhabiller là.
pas aller à droite. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas. Quand elle bouge. Tic 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 tic. Ah, y a un truc là. Ah, c'est pour aller dans l'eau. Oh putain. C'est pas une bonne idée. Mais j'ai pas trop le choix. C'est pas une bonne idée du tout. Putain, mais arrête de bouger, espèce de conne. Tu bouges pas, tu risques rien. Putain, alors elle va être en hypothermie. Ah là, pour être immobile, là ça va être sympa. Ah bah enfin on arrive à la maison là. Bon là c'est la cabane mais on est pas loin. Ouais, t'as intérêt à courir là ma cocotte hein. Qu'est-ce que ça fout là ça? Allez, ouvrez-moi! Les gars, merde, vous êtes là! Laissez-moi entrer! Sam! Merde, Mike! Oh putain! T'as une sale gueule! Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez! Il a une tête de déterré lui. Ça marche Delta, merci d'être passé en tout cas. Mike, il lui a et puis ben... Oh. Bon grignotage. Merde, y a pas plus atroce comme mort. Ouais, il s'est transformé en choc à pic. Ça craint. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Allons voir au sous-sol. Il reste peut-être quelqu'un. Putain, ils auraient juste à rester immobiles pour, jusqu'au lever du jour, ils seraient tranquilles quoi. Ouais, par contre, ouais, je vois vraiment pas ce que j'ai pu louper quand même. Je fouillais partout. Je vois pas ce que j'ai vraiment pu louper. Faudra que je fasse plus attention à la prochaine partie. Faudra que je sois plus attentif quand même parce que. Bon bah, du coup, ça nous fait 2 morts au compteur. Et à mon avis, c'est pas fini. Nos chances de survie. J'essaie de pas trop y penser. Allez, cassez-vous, allez. Voilà, vous dégagez. Oh putain, la salope. Oh,
on doit être à la fin là. Ça va se foutre sur la gueule. Et du coup ils sont pas d'accord. Ils sont pas ensemble. J'ai pas bougé. Bon, elle est morte. J'ai pas bougé, va te faire foutre. Bon, ben allez, encore un. C'est de la connerie ce détecteur de mouvement là, c'est de la merde. Gollum versus Monty Burns. Excellent. Ah non mais là c'est abusé là. Abusé. J'ai même pas bougé. Le bâtiment principal est complètement détruit. Terminé. Attendez, je vois quelque chose. On dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Ok, on descend. Bah du coup la Blanta ça les a pas rejoints du coup là. Elle est vivante mais elle les a pas rejoints hein. Merde. Non. Ah ah. Vas-y remets-moi ça. Putain enfoiré. Bande de con. Il y avait l'autre d'abord hein, qui s'est fait écraser la tête. Hein. Ouais, les chocs à pic. Allez, vas-y, hop. Le vieil homme, je. Putain. Je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Ouais, la prochaine fois, je me ferai pas chier avec le truc pour pas bouger. Je me mettrai sur la table et terminé. Oui. Casserait pas les couilles. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué? Quoi? Non. Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Mais s'il vous a attaqué? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage, juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître, mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Comment vous êtes-vous retrouvé dans les mines? Ah bah, elle a été récupérée.
portée et emmenée. Et qu'avez-vous vu? Je sais pas. Je sais plus. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et... j'ai... bah ouais, c'est pas une bonne fin. J'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. Enfin... c'est pas la meilleure fin. Avoir frappé Josh. Il avait perdu les pédales et... Je devais le calmer. Vous avez dit qu'il était ligoté. Parce qu'on peut faire en sorte qu'ils survivent tous. Là... D'accord. Ok. Je sais, c'est pas glorieux. Mais vous comprenez pas... Alors il y en a un qui est mort juste parce que j'ai pas tout récupéré les indices sur Anna. Je l'ai planté. Qu'on sache qu'en fait c'est elle, le Wendigo. Je savais pas, il faut me croire, je savais pas. Et par contre Sam et Matt, c'était que des trucs de merde. Alors une, elle est mort parce que j'ai, soi-disant j'ai bougé alors que pas du tout. Donc merde. Et puis Matt, ben il est mort apparemment sur un choix logique. Apparemment faut faire un choix de merde. Bon ben ok. Ouais, bah, vous voulez pas. Vous n'avez pas l'air très inquiète. Cet enfoiré m'a laissé crever. Il a dit qu'il était mon petit ami et il m'a assassiné ni plus ni moins. Vous seriez inquiet, vous? Putain, connasse. Votre amie Ashley, elle dit qu'elle a voulu vous aider. Non. Voilà. Elle dit qu'elle vous aurait entendu crier. C'était pas elle. Non. C'était pas moi. C'était pas elle. Ah, du coup, j'aurais ouvert. Eh ben, ça aurait été le Wendigo, il m'aurait sauté à la gueule. Ça aurait fait une morte de plus. Pour me sauver. Vous sauver? Où est-il? Il s'en est sorti. Josh nous a aidés. Et puis. Oh putain. Cette chose. Vous voyez, le Wendigo. Il est sorti de l'obscurité. Et il a. C'était vraiment un coup de bluff là, le coup de. Je l'ai entendu hurler, je me suis barré. De la voix qui hurlait. Ça aurait été stupide qu'on y passe tous les deux. Il n'y aurait pas eu l'autre choix marqué rejoindre le groupe. J'aurais ouvert. Et du coup, je me serais fait tuer, je pense. Mais faudra que je note. Enfin, faudra que je vois sur les Solus. Ce que j'ai fait de pas bon. Matt, je sais ce que j'ai pas fait de bon. Sam, c'est pareil. Même si au final... enfin, bon. Mais c'est surtout pour Josh, quoi. Pour les collectibles. C'est ça qu'il faut que je regarde, surtout. Après, le reste, bon, ça avait l'air d'aller, hein. Ça fera un jeu de fait quand même. Même si on n'a pas eu la meilleure fin, on l'a fini. Bon. Presque 2 heures. Bon, on va pas en mettre dans le jeu. Peut-être qu'on continuera We Happy Few demain. Compte que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de jeu de tir. Un bon FPS. Bon, oui, Happy Few, ça compte pas parce que bon, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est un FPS, mais c'est pas un shooter quoi. C'est pas un Call of. Donc, ouais, faudra qu'on se fasse un petit FPS. Par contre, je sais pas sur quoi. Pourtant, il y a le choix. Peut-être Far Cry 4, mais Far Cry 4, le truc c'est qu'il est long. Si tu veux tout récupérer, les collectibles et tout, c'est long. C'est très long. Et sans parler des DLC. Ouais, les DLC sont pas très très longs. Mais ils sont pas intéressants quoi.
DLC sont vraiment pourrables. Après, s'il y a Call of. Ouais, je sais pas trop. Je me tâte un peu. Ou alors, on peut faire aussi Metro Exodus. Hein. Bon, après, Metro Exodus. Ouais. Il est pas court celui-là. Et Wolfenstein, oh putain non pas Wolfenstein. Pas tout de suite, j'ai pas envie de faire le 2. J'ai pas envie de faire le 2 pour l'instant. J'ai pas envie d'y retoucher pour l'instant Wolfenstein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de Call of. Il y a quelques-uns. Destiny, non, ça va prendre trop de temps. C'est beaucoup trop long ça comme jeu. Putain, si Bioshock encore ça pouvait marcher, je les referais avec plaisir ceux-là, mais... Putain. J'adore les Bioshock. Enfin, le 1 et le 2. Puis l'Infinite. L'histoire est pas mal, mais le jeu en lui-même, pof pof. Après Far Cry, ouais. Pff, non. Enfin, peut-être le 4, ouais. Le 5, je le referai bien celui-là aussi. J'avais beaucoup aimé le 5. New Dawn, j'ai jamais fait. New Dawn, de toute façon, je suis obligé de faire le 5 pour faire celui-là. Puisque c'est la suite. Sinon, il y a Homefront 2. Enfin, Homefront The Revolution. Qui est pas trop mal. Honnêtement. Largement mieux que son prédécesseur. Ça, il n'y a pas photo. Et Rage 2, mais j'ai pas fait le 1 encore. Faudrait que je fasse le premier. Red Dead 2, ça va prendre trop de temps. C'est beaucoup trop long comme jeu, ça. Après, sinon, il y a The Evil Within, mais là, c'est plus un FPS. Là ce sera du tir à la troisième personne. Mais bon, on doit faire Resident Evil 3, donc... ouais. Ouais, je me tâte. Je me tâte parce que j'essaie de voir quand même. J'essaie de trouver des jeux assez courts quand même à finir pour en faire d'autres. Mais le truc, c'est que j'ai beaucoup de jeux. J'ai très très peu de jeux qui se font en à peine une dizaine d'heures. J'en ai très très peu. J'ai beaucoup de jeux qui sont assez longs. Enfin, assez longs si on fait tout. Si on essaie de compléter au maximum le jeu, quoi. Genre en faisant toutes les quêtes, en essayant de ramasser les collectibles, les trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que sinon, ouais, on peut finir un jeu très vite. Hein, si on trace, mais non, c'est pas mon genre de tracer. Ça sert à rien de tracer. Ça sert juste à te faire un premier avis sur un jeu, mais sinon ça sert à rien. Ouais, non, sinon je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Mass Effect Andromeda, faudrait que je le commence celui-là. Je l'ai jamais fini. Je l'avais à peine commencé, je l'ai jamais terminé. Rage 2, c'est pareil, mais bon, Rage 2, c'est parce qu'il y avait un bug en fait. Il y avait un bug. Alors, je sais plus si c'était la quête principale ou si c'était une quête annexe qui avait bugué. Je crois que c'était la... Non, c'était la quête principale. La quête principale avait bugué. Alors du coup, je pouvais pas le finir. Ouais, je suis pas trop. Je sais pas. Enfin déjà, essayer de faire We Happy Few, essayer de le finir. Je sais pas s'il va être très long.
Parce qu'il y a trois histoires, il y a les TLC à faire. Donc à voir. On va finir We Happy Few, commencer Resident Evil 3. Commencer Dark Souls aussi, putain. Dark Souls. Putain, c'est drôlement, les crédits là. Il y a même des voix japonaises. Eh bien. C'est quand que ça finit. Ah ok, bon. Ok, on s'est tapé le crédit pour rien. C'est cool. C'est cool. J'ai levé le crucial. Fais voir les épisodes. Ah oui, il y en a quelques-uns quand même. Ah, je sais plus à quel épisode c'était là que... Ah mais là, il est encore là, donc c'est à partir du chapitre 6, alors que c'est... Peut-être que j'ai fait de la merde. Statues, objets à collectionner. Ah mais c'est bien, au moins on a encore tous les objets. Le Wendigo de la mine avait également un tatouage papillon sur son épaule droite. Bah oui, mais pourquoi il a pas dit que c'était... Enfin, je comprends pas. On avait collecté les assez d'indices pour découvrir que c'était elle quoi. Que c'était elle, Wendigo. Ça, je comprends pas. Putain, il nous manquait juste 4 indices, quoi. Faudra que je regarde où c'est qu'ils sont. Que je fasse pas la même erreur. Mais à mon avis, le mieux, ce serait que je refasse tout le jeu. Je pense que ce sera le mieux. Et sinon, ah putain, mais là aussi, j'ai pas tout trouvé, quoi. Putain mais merde, je fouille partout quoi. Oh bah là putain, là c'est encore pire. Là c'est encore pire là. Et il manque pas mal d'indices. Mais totem, on a trouvé plus de la moitié, mais putain il en reste encore. Ouais. Les événements du passé. Ah oui d'accord, ouais. On n'a même pas accès à tout, putain. Ah c'est con, ça aurait été intéressant là si on avait tout. Ouais, mais faudra que j'ai une solution, ce sera peut-être plus simple. Je pense que ce sera beaucoup plus simple d'avoir une solution au moins. Ce sera beaucoup plus simple. Bon. Et ben, oh ben on est à 2h, oh ben, comme ça. Bon ben on fera le jeu, je sais pas quand, pas tout de suite, mais on le refera.
Ouais, il nous faut la fin, une meilleure fin. Ça, non, c'était une fin de merde. Enfin, une fin moyenne, on va dire. Pas une fin de merde, mais pas non plus une bonne, quoi. Une fin bouffe-bouffe. Donc, enfin, qu'on retente notre chance. Bon, bah, c'est ici qu'on s'arrête. Ça sera tout pour ce soir. Merci encore d'être passé. Puis, et puis à la prochaine. Allez.